Ben, à la base, j'étais une fille qui était vraiment active. J'étais habituée d'avoir des cours, bon, hors école. Soit, ben, je faisais des cours de danse intérieure, de musique. Fait que je savais que j'avais besoin d'autre chose que juste me concentrer à 100% dans mes cahiers, parce que je suis une fille, justement, qui a besoin de bouger. Puis, j'étais même venue, m'est venue l'idée, du double deck, parce qu'il y avait déjà des amis, bon, plus vieux que moi, qui avaient entamé ça ou qui l'avaient déjà terminé. Fait que ça m'a vraiment intéressée quand j'ai vu ça, justement. J'ai regardé la description du cours, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est le meilleur des deux mondes. Je vais être formée en danse et en sciences nature. En danse, je te dirais que c'est beaucoup parce que, bon, on en avait entendu parler, pardon. Puis, il était vraiment réputé, je veux dire, ici au Cégep de Drummondville. J'étais dans mon école de danse avant, puis mes professeurs venaient de là aussi. Fait que, justement, la qualité de l'enseignement qu'on a, les studios sont vraiment jolis aussi. Puis, justement, le fait que le Cégep, t'sais, le programme en danse soit connu, ça m'a vraiment, ça l'a poussé mon choix. Et qu'est-ce qui me fait le plus triper, là, c'est la façon que mon horaire est arrangé, si je peux dire ça comme ça. T'sais, dans mes journées, j'ai autant des cours de sciences nature que je peux avoir, justement, mon 2 heures de français, 2 heures de chimie, 3 heures de maths, que j'arrive la journée d'après, puis là, j'ai un 7 heures de danse. Fait que là, tu décroches, vraiment, tu continues à être axé dans ton mode de vie. Je continue à développer, ben, je travaille mon corps physique en danse, puis ben, plus mon intellectuel en sciences nature, là. Donc, vraiment, c'est une chose qui me fait triper beaucoup, ça, puis sans ça... Bon, il y a tellement de choses, la gang aussi, là. Souvent, on parle, tu sais, de sciences nature, l'aspect compétitif, puis tout ça. Le fait de me retrouver en double deck, j'avais du monde en danse, donc des personnes artistiques. Fait que là, encore là, ben, je me suis trouvé des amis super facilement, puis justement, l'atmosphère qu'il y a dans les autres filles de double deck, on n'est pas beaucoup, mais les filles qui sont là, c'est vraiment plaisant. Au niveau du programme, qu'est-ce que j'apprécie beaucoup? Ben, c'est le contact avec les professeurs. C'est pas un gros cégep. Fait que j'ai l'impression que justement, t'sais, les professeurs se souviennent de nous, c'est personnalisé comme enseignement, puis tout ça, puis ils finissent par te connaître pour vraiment trouver, t'sais, les outils qui sont nécessaires à ta performance, à toi, à ton évolution. Au niveau du cégep en général, quand je suis arrivée, il y a toutes les centres d'aide qui sont offerts, que j'ai vraiment, moi, je suis arrivée, j'ai fait wow, t'sais, puis là, aujourd'hui, on m'a demandé pour faire partie des centres d'aide, puis ça a comme fait vraiment, là, t'sais, j'ai envie de le faire pour pouvoir aider. Ça, justement, c'est des élèves qui, par le biais, justement, du cégep, aident d'autres élèves qui sont plus en difficulté. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est le contact humain que j'aime beaucoup au cégep-ci. Là, on disait que les arts étaient forts, puis les double decks aussi, puisqu'il y a beaucoup de monde qui joignent les deux. Puis justement, je pense que ça fait un cégep ben, qui fait la différence. Les profs s'investissent beaucoup, mais beaucoup dans les projets. Ils croient que les élèves en danse, c'est pas juste la technique, puis tout ça, ça a besoin d'être sur scène, de montrer leur art, puis tout ça, l'art d'interprétation, c'est très important aussi, autre que, bon, la technique. Fait que c'est ça, les professeurs, on a eu le voyage à Toronto aussi, qu'on est allé au Ballet National, au TDT, ça aussi, ça a été vraiment génial. Fait que justement, on voit tous les efforts que les professeurs font, autant au quotidien, dans chacun de nos cours, comment ils veulent nous amener chaque exercice, tu sais, de manière plus... ben vraiment, à se pousser plus, là, finalement. J'ai des grandes ambitions, ça fait vraiment longtemps que je veux faire ça, j'aimerais beaucoup me diriger en médecine. Donc, ben, je travaille fort là-dedans. Il y a beaucoup de personnes au début qui ont dit, ben, Rosemary, si tu veux viser médecine, t'es-tu sûre que tu veux prendre un double deck? Je veux dire, c'est beaucoup de travail, tu t'en mets pas en plus pour ce que tu veux faire. Mais au contraire, ça m'aide. Je pense que le fait aussi, bon, d'être impliqué dans son cégep, autant par les systèmes d'aide qu'aller chercher son niveau culturel, puis tout ça, parce que la médecine, c'est pas juste, bon, intellectuel, il y a aussi tout le contact patient, le contact humain. Fait que, tu sais, je pense pas, je veux pas décourager personne qui veut s'en aller avec quelque chose que plus science nature a besoin d'aller chercher son double deck parce que c'est vraiment complémentaire. Puis tout ce que j'ai appris en double deck au niveau danse, autant au niveau, oui, danser que nutrition, habitude de vie, ça m'a vraiment aidé au quotidien.